Là, ça travaille vite, mais je pense que je n'allais pas aussi vite que ça en réalité. Noël. C'était une première expérience avec la caméra. Lucille, avec Lucien. Lucien qui fait le Père Noël. Lucille. Robert. Robert. Ah, ça, c'est le cadeau de Lucien. Un cadeau encore pour Robert. Ça, si je ne suis pas fils, hein. Ça devait être un ami du ciel, ici. Ah, Lucille qui joue du piano, elle avait 20 ans. Ça doit être... Polonaise de Chopin. La Polonaise de Chopin. Ça, je vois ça pour son père. Il n'était pas dans le piano, Lucille. Pendant qu'elle n'aime pas continuer à pratiquer. Ah, mais quand arrivent les amours, on déteste d'autres choses. Si c'est un Noël chez Claire, c'est le même Noël, mais chez Claire cette fois-là. Ça, c'est Claire, ça. La sœur de Lucien, avec Bruno, son mari. Ah, un chevreuil qui se meurt. Ouf, arrête. Il va ressusciter, hein? Oups! Okay. Il y a une faiblesse. Oups! Voilà. C'est un Robert qui essaie de faire bouger les cornes. Robert avait 20 ans. Un feu d'apathie longtemps du tard. Il fallait faire un peu de terre neuve, nettoyer le sous-bois. Le meilleur temps pour brûler ça, c'était dans le mois de novembre. Ça, c'est sur la terre, on a du frais noir. Préparer pour le terrain pour des plantations futures. C'est beau le feu, hein? Comme ça. Pas quand c'est la maison, mais quand c'est du bois. Quand il est contrôlé, oui, c'est beau. Qui est au feu, ça peut être pas vert, ça aussi. Robert aimait ça, que du feu aussi. C'est sombre. Hein? C'était dans l'automne tard, les bouts commençaient à raccourcir, ça paraît sur l'image.
un bon rêve de castor. Je pense que oui, ça. C'est au lac Vaudry. C'est au lac Vaudry, ça. Mm. On voit le chalet de Terre des Jardins sur la pointe. Cette pointe-là, c'était la pointe à Doré. Je veux dire pour doré, le... Doré, le poisson. Pour le doré. Pour le doré. Mais c'était une pointe à Doré pareil. Oui. On a un problème technique ici, là. C'est toujours en 1965, ça, chez maman. À Longueuil. Dépêchez-vous de traverser, de vous faire écraser. Lucille. C'est Lucille. Ben non. Hein? Là, c'est Lucille. Là, c'est Lucille, elle a les cheveux longs. Ah oui, ça, c'est Lucille. Alors là, je la reconnais. Là. Alors, qui est-ce qui l'a aidé, là? C'est tout un tas, je reconnais. Des compagnes. Ça fait des compagnes de collège, ça. Ça, c'est moi, ça. Ouais, les cheveux noirs. J'avais les cheveux noirs dans le sein de moi, j'étais jeune. Hein? Oui, quand j'ai rencontré ma blonde, elle était noire. Comme disaient les latins, nigra sum sed formosa. Je suis noir, mais pas pire. Si c'était pas ma tante, je dirais qu'elle est cute. Pourquoi tu dis pas quand même qu'elle est cute? C'est le moment, ça. René, Raymond Lévesque. Ouais, ouais. Avec des cheveux. Nicole. Avec Nicole. Ça, c'est le moment, ça. Ça, c'est moi, ça. J'étais noire, hein? Oui. Ta teinture. Non, mon cher, j'avais les cheveux naturels. Ah ouais. Le son a été festif. C'est vous des jeunes, hein? Regarde ça, c'est vous, du jeune monde comme ça. Les tourtereaux. Est-ce qu'il s'agit d'un anniversaire ou de la fête de Noël? C'est pas la fête de Noël, je pense pas, mais je pense que... Je sais pas si c'est pas leur cadeau de noces. Ah. Dans ce temps-là, je ne portais pas de lunettes, hein? Je n'étais pas obligé de porter des lunettes à ce temps-là. Une chance, parce que je ne sais pas si lui avait été agréé. Maman. Son jardin, là, si c'était pas drôle, son jardin. Comment c'est vrai, je ne voulais pas se faire photographier avec son tablier. Pommier, ça, c'est un pommier décoratif. Il dit Saint-Georges, ouais. À Longueuil.
Madame Larivière, c'était où, ça? Hein? Non, je sais pas, j'ai connu. Non? Ça ressemble à Théo, ça. Je sais pas. Je sais oui. Pas. Oui. Oui, c'est Théo. C'est Théo, ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ben, je connais ça. Ça sent bon, j'ai pas mis, hein? Qui se personne-là? On doit jouer la petite. La petite. Ah, je sais pas, il a pas l'air d'aimer ça marcher à l'aise. Non. Bon, il y a un défi. Là, on est là. Limbo. Limbo. En 1965 aussi, ça. Ça, c'est... Mon Dieu, comment ça s'appelle, là? Marie de Rachel. Réal Goulet? Son premier... non, pas Réal Goulet. Ah oui, Prou. Oui, Prou. Lucien Prou. Lucien Prou. Ça, c'est Robert. C'est Robert, hein? Il est bon, Robert, hein? Tant qu'on monte ça à Marielle. Ben oui. Qui va gagner? Yeah. C'est qui, ça? La petite, c'est qui, comme ça? Ah, tu as du chou. Ça compte pas. Robert. Oh! Fini. Ça commence à être difficile, là, hein? Ah, il s'est pris. Ouais. Je sais pas c'est qui, mais il est trichard. Il est ici, premier mari de Raquel Boucher. Le petit. Ah, c'est moi qui me tenais les mains du balai. C'est qui cette petite-là qu'on se souvient un peu? Rachel, c'est Rachel qui fait le goût. Oui. Rachel t'a appris l'autre. Robert était bon, hein, le temps? Non. Il s'apprend, il s'apprend. Tu sais, hein? T'es bon, Robert, hein? J'ai mis le pied. Qu'est-ce que c'est que tu fais là? Je me souviens pas. C'est ce pas là. Il est bête, il est. Ouais, Kathleen n'a rien inventé avec ses goûts. Ah, c'est dommage de ne pas se rappeler de ça. Non, ça, c'est de. Tu veux jamais faire ça. L'instinct meurtrier. Rachel, ça. Ouais. Rachel Beauchemin. À moins que ce soit une de ses filles. Ah, ça, c'est plus. Elle est casse. Oh, un guerrier, hein, Robert? Il sait pas, lui, joue de la guitare. Il joue de la guitare. As-tu vu ça, Maria? Non, c'est dommage, hein. Mm-hmm. On lui montrera un jour. Ouais. Camille!
Roméo? Oui. Roméo Chartier. Oui, Yvette. C'est chez Yvette, ça? Ben oui, j'ai Yvette à Ville-Marie. Ah oui, c'est Yvette à Ville-Marie, ça. Camille. Ouais, c'est sa lampe. La belle Tiffany. Robert. Bruno. Claire. Ça, c'est Lucie. C'est peut-être le bretel, là? Mon Dieu. Elle était jolie. T'es jolie, Yvette, oh oui. Non, Camille. Camille aussi. Qui ça, de la veste rouge? Ça, c'est Olivier. Oui. Adélina. Oui. Robert. Ici, ici, un brou. C'est pas Henri, ça, non? Non. Non, c'est pas Henri. Je sais vraiment pas. Je veux qu'André, ça veut dire que. Avec Rachel, non? Avec une autre fille qui est avec. Elle avait deux filles, Rachel? Oui. Parce que ça s'appelait plus. Ah, c'était. Ah, ah oui, 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 oui. Liliane? Liliane, oui. Liliane et puis André. C'est Luc, Jean-Pierre puis François. Non? Ouais. Ils ont l'air de vouloir jouer dans le 6 comme notre grand-père. Ouais. Les camions qui vont, c'est de travailler à la CLP. C'est qu'ils nous ont des 12 ans après le dernier. C'est l'enfant, c'est le garçon de la ménopause. Ça travaillait là. C'est mort. Ça va être la construction de la maison, du chalet, c'est bon? Au début de la construction du chalet? Le chalet de Beauty-Froid-là, il est là. Ah oui, le chalet là. Mais ça, c'est le chalet de Claire qu'on voit là. Ouais. Ou la Gaudrie. Avec la pile. La photo bec. Il est bec, pas grand-chose. Ça, c'est Yvette. Je vois la pétanque. C'est pas mieux. Qui est le meilleur? Oui, ça c'est le chalet de Justine, Yvon, ça. Chalet. Justine et Yvon. Ça, c'est une belle place, ça. Tu as jamais
été là. Ça, c'est Justine qu'on voit là, tu sais. Lac Bourdieu. Et Jean-Marie. Oui. Sœur Lucille. Sœur Lucille. Justine. Justine, décidé l'an dernier, hein, au jour de l'an. Le jour du jour de l'an. Oh, pour moi, le photographe qui a pris ça n'était pas fameux, hein? Il y avait de la brume. Pauline. Pauline, ben oui. Ça, c'est ma soeur juste avant moi. Sœur Lucille. Bon, qui était ce brave frère de Béni, là? Qui là? Pauline. Pauline. Ça, c'est la fête de maman chez Lucille. En quelle année? En 68. Lucien qui joue de la guitare. Oui, mais pas de ça, ça joue de la guitare. Mes premières armes sur la guitare. Des talents cachés. Ça a été les dernières. Le père Raymond. Voilà. On peut dire que t'es l'inventeur du heavy metal. C'est le cas de le dire. Clara, qui essaye à son tour de jouer de la guitare. Je vois du piano, par exemple, Clara. Mais de la guitare, j'ai jamais entendu. Ça, c'est Simone qui joue de la flûte. Jacqueline, le côté Guéridel. Le père Raymond. Tu trouves ça drôle aussi? Maman. Ça, c'est Francine la rivière. La vache sur mes genoux. Luc, il n'y a pas de barbe, il était jeune dans ce temps-là, hein? C'est pas Luc. Luc, oh, c'est ouais. Luc, ça. Ouais. Aïe, aïe. Lucille. Hey, hey, là. C'est gros, aussi. Émile. Ah oui, c'est Émile, ça. En train de vouloir couper le gâteau. Raymond, Nicole. Nicole est enceinte. T'as pas le gros, là? C'était gros, oui, ça peut-être qu'il était gros dans ce temps-là. Maman. Ah, moi, j'ai un chandail avec deux, là. Antoinette. Oui. Maman Émile. Raymond. Ça, c'est moi. Madeleine. Madeleine. Oui. Il y a beaucoup de jeunes dans les cheveux de Raymond. Lise. C'est moi. Ça aurait été bien, bien grave, hein? Non. J'ai pas beaucoup moins de cheveux que j'en avais dans ce temps-là, puis là. J'étais juste un peu plus foncé. Pas beaucoup plus de cheveux que tu avais. Ça, c'est au lac Gaudry. À glace. Non. C'est quand Jacqueline est arrivée en avion. Père Raymond? Non. Ben oui, c'est Père Raymond. C'est avec toi. Okay. Expo 67, ça. La ville de Sainte-Hélène. Évidemment. Ça, c'est l'année de ma convalescence.
J'avais plus le temps de la visiter pendant 3 semaines. Ah, oh, ben moi, je te mène trop jeune, j'ai manqué ça. T'es encore loin, toi, dans ce temps-là. Ça, c'est l'habitat 67? Non. 5, c'est loin, ça. Hein? La sphère. Le petit train, lui. Regarde Lucien avec son chapeau. Ah, j'avais un beau petit chapeau, hein? Il y avait un monde fou là-dedans. La Suisse. L'Autriche. Bon, ben, en plein haut, t'as fini. Qui a été manqué? Oui. Tu sais quoi, c'est qui? Ça bouge, hein? Ça bouge en pourrir. Pour moi, elle photographe. Elle devait photographier en marchant, pour moi. Je vais t'avoir un petit train pour faire des photographies. La piscine. Les fontaines plutôt. C'est beau le trou 67. Intéressant. C'est pas clair. C'est pas clair, hein? Mon Dieu! C'est un pack sec! T'as eu de la face ou je parle pour la face? Ça m'a l'air du chalet du lac Vaudry, ça? Oui. T'étais à pêche, je regarde ça avec les poissons. Hein? Il fait son frère que c'est doré, c'est le mousseladerie n'avait plus de même. Ça s'est photographié dans le Vieux-Montréal en 1965. Un notaire. Je savais pas qu'il y avait ça dans le Vieux-Montréal. Ah, regarde ça. Pas que la fontaine, là. Quelle place qu'il y avait ça dans le Vieux-Montréal? Alors, on voit ici Humpty Dumpty, qui a fondé la marque de chip. Mmh. Écoute. Le petit poussé. La maison du petit poussé. Un totem. Connais-tu celui-là? Je me souviens pas très bien. On a un gars dans le beau pain. C'est pas dans des voyages un pays chaud, là? Ouais, il y a des palmiers, ça a pas l'air d'être. Ouais, ça a pas l'air d'être à Montréal. Pas du tout, du tout, du tout.
non, c'est pas à Montréal, ça c'est sûr. Oh, le bon signe. En Guadeloupe. Et qui a l'air insignifiant. Et belle fleur. Si c'est dans le sud, là, les fleurs, ça sent bien. Les roses ne sentent pas dans le sud. Non, pas de l'avion, là. Par là, il est Montréal. On n'a pas très près du même à Montréal. Les galeries. Tu regardes, ça c'est dans le. C'est dans le vieux Montréal, ça, la galerie. La galerie Cartier. Galion. La galerie Cartier, c'est dans le vieux Montréal, c'est ça? Oui. Oui. C'est le Notre-Dame. C'est une ancienne surprise, ça c'est dans le vieux Montréal, c'est sûr. J'ai une année 1757. Ah oui, c'est dans le vieux Montréal. Une vieille bâtisse de pierre, hein? Oui. Trop bien conservé quand même. Le domicile. De façon couvent. Oh, regardons Stéphane, il y a 2 ans, Maxime. Alors, oui, bonjour, c'est moi. J'avais 2 ans. C'est fin. Ah, mon Dieu, j'étais blond. Croyez-le ou non, j'ai déjà été ici. Ça, ça doit être Jérôme. Ça doit être Jérôme, ça. Ouais. Mais il faisait pas 6 pieds dans le temps. Pas avoir de ses becs dans ce temps-là. Là, il n'est pas passé. Bye bye! Bye bye! Oh, il est-tu beau un peu? Ah, mais c'est correct, là. J'en faisais... Oh, c'est beau, des enfants. J'en faisais donc des babins. Bon, il est venu à vous éteindre sa chandelle. Tiens, je passe là. Non, non. Ah, ok, laissez-le. Oh, Marielle. 2 ans. Chacun un gâteau, parle ça. Oh, imagine-toi, hein? Bon, c'est bon. Ah, oh, c'est bon. Ah, oh. Ben, meilleur que les doigts. Ah, oh, non, il y a une cuillère. Hey, griche pas dans mon gâteau, toi, là. Il est goûté. Qui est là? Ben, c'est Maxime. Maxime, hein? Ah oui, oui, je le connais. Ah, ça, c'est posé, photographié au lac Baudry, ça. Hein? Oui. T'as l'air de machalot, en tout cas. Oui. Il m'a l'air d'être à la chasse, est-ce que ça se peut? Si c'était à la chasse, c'est pas au lac Baudry, c'est tout à Blake. Je veux dire, ça c'est Jacques Desjardins, c'est qui là? Jacques Beauchemin.
C'est tout Red Lake, ça. Ah oh, ouais, la cabane de Gachard, c'est Red Lake. Ah oui, c'est tout Red Lake, ça. Regarde, t'arrives dans les foins, là, ton pied. C'est là que j'avais tué mon gros orignal, moi. Ouais. C'est ça que vous avez moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la salle? C'est Maxime. T'es pas vieux, hein? Regarde-là les grands yeux. Ça, c'est toi, ça, Stéphane. Non, non. Hein? Oh non, c'est Jérôme. Jérôme? Ben, je pense. Oh, oui. Maxime, ça, c'est Maxime. Ah, ça, c'est Maxime, ça. Et mais ça, je joue dans l'eau, Maxime. Il était pas vieux, là. Il était gros. Il aimait ça prendre son bain. Quand tu les as revenus de l'eau. Ça, c'est jouer dans l'eau. C'est photographié à Noranda, ça? C'est photographié à Noranda, ça. T'es couché sur ma fourrure de sa mère, France. Non, c'est un chose d'ailleurs, ça. Ça me c'est toi, ça, c'est quand même. Non, je dois me rendre à l'évidence. Ça, c'est toi, ça. Petit chaise. Eh bien. Un petit chaise vert, hein? Ouais. Mais j'ai dit que t'étais pas vieux, hein? Ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'est toujours très net à te rendre. Sauvé du vent. Il y avait un électrocoque. Sorry, avancez. Hein? Ah, c'est ça qui est la prochaine. Hey, mon poisson. Mon poisson.
poisson rouge. Hey, je m'en rappelle de ça. Oh, ben, regarde, il y a des jouets, par exemple. C'est tombé dans le paquet. Donne bien à ton tour. Alors, le comité de censure m'oblige à... Ah, hey, hey! Ça peut être débarbouillé. J'ai jamais autorisé qu'on me filme nu. C'est Mariette, ça, qui est à côté? Oui, ça te voit. Pauvre petit! Ah, il y a lancé de l'eau dans le dos aussi. Ouais. Pauvre petit! Ah, bébé braillard! Non, non, mais regarde, il aime pas ça se faire lancer de l'eau, lui. Lui, là. Ça aurait pu lui se faire couler dans l'eau, au fond. Pas le temps de la pas voir. Bon, là, par exemple, il est pas de mal. Ça, c'est que t'avais à lui, ça? Ouais. T'avais son papa. T'avais le gros coussin jaune à l'âme. Le fameux coussin. Hein? Papa, c'est pas drôle, disons, petit gars. Attendez! Attendez! Qu'est-ce que tu fais là? La terre est maison. Tu reverras tout ça sur le vent? Non. Ça, c'était le cousin que les enfants. Hop! Sur l'eau! J'ai une chance que papa était là, hein? Il est capable de monter là-dessus, celui-là. Maman, ah, c'est bon. Oh, oh. Ça, c'est bon. Hein? Déjà à cet âge, Maxime était un grand buveur. Tu vas trouver ça drôle. Des beaux souvenirs de la tendre enfance. C'est bon, c'est bon, hein? Jusqu'à la dernière goutte. Ouf! Il y a trop d'eau, par exemple. Ça renverse. Ça coule à côté. Ah, grand-papa qui se promène avec son petit garçon. Ça, les enfants, je vous le mets ça. Attends, attends, attends. Dans son petit parc.
Ça a plus l'air d'une prison que d'un parc. Mais il est en sécurité là-dedans. Simone avec Maxime. Et Maxime, oui. Il devait juste commencer à se foutre debout. Oups! Oh, il n'a pas aimé ça. C'est quoi ça que tu veux? Non. Non, moi tranquille. Ouais. Je t'appelle. Il a pas mal aux genoux, c'est très élevé, non? Ah, c'est lui, là, pas si ça. Ah ben, il y a donc ça qui c'est qui est là. Chez le là, là. Ça, c'est Stéphane, ça. Regarde, ça, c'est... Oh, monsieur le beau! Il commence à marcher. Il venait juste commencer à marcher. Ah, oh, que c'est fin. Un citron. Bon, oui, bien. Hey, ça nous fait broyer, là. Ah, les pantalons carottés. C'était bien inquiétant. C'est qui le tarlac qui m'a habillé en rose? T'as pensé s'il y avait plus? Je ne pense pas que tu n'étais pas beau là-dedans, par exemple. Ben, une petite fille, là. Ben non, il y a beaucoup d'heures spéciales pour une petite fille et des petits garçons, voyons. Ben, là. Ben non, regarde, c'est ça. Il y avait deux petits enfants comme ça à l'hôpital, s'il était un couché un côté de l'autre. Il y en a un qui m'a donné l'autre, la petite fille, je m'en ai dit, tiens, petit garçon, la petite fille. Je sais pas. Sauf que. Elle dit, moi, j'ai vu, ben, je suis. Descends ta couverte, comment on va te le dire. Descends ta couverte un petit peu. Plus que ça. Encore un petit peu. Descends ta couverte plus que ça. Je sais pas. Pose ta couverte au pied. Ah, elle dit que t'es un petit garçon. Et tu commences à vu ça? Ben, elle dit que tes bois sont bleus. Les enfants sont poussés. Ah, grand-papa qui joue avec les petits-enfants. Bon. Stéphane va aller voir grand-papa, lui. Je vais monter dessus, le coussin. Hey, il y a encore du rose. Ben, si tu restais là, ce coussin-là, t'es compagnie. Je l'ai donné... Marielle. Ah ouais, Stéphane, vas-y.
Vas-y. Comment ça se tient le bout pas mal? Ah oui. Il n'a plus de médecine. Ça va marcher. Ah, tu as ça. Papa, il est content avec son petit gars-là, je le dis. C'est qui le livre, ça? Je ne sais pas l'air. C'est pas pour regarder les images. Je te connais. Hey, tu me fais mal. Non, non, plus la voix. Et que j'étais pas fin. Qui va l'avoir? C'est le plus fort, oui. Ça, c'est la maman. Une vie de poisson rouge. Un bronze camarade. Attends ça, tu vas tomber. Tu vas tomber, non, mon capable. Dieu. Je suis un peu déçu. Je passe ça. Oh, dans le foin. Maxime, dans le foin. T'es aussi au cuit. Je cherchais, je sais pas, ferme le premier jour. C'est qui c'est ça? Chantal. Chantal. Chantal Beauchemin. Ah. En plus, c'est Lucille, c'est puis Betty. Betty, ben. C'est Betty, ça. Ouais. Chantal et Betty n'ont pas une grosse différence d'âge. Parce que Chantal était du mois de mars, puis Maxime était du mois de juillet. Ah oh, ben là, Stéphane, regarde les beaux grands yeux. Et... Il a compris, il dit bonjour.
ça, c'était notre fête de 1 an, je pense. Notre fête de 1 an. Oui, c'est un peu gelé. Donc, chronologiquement, à tantôt, on a rajeuni. Bon. Faut pas gâter ces enfants-là. Ça va là. C'est bon, hein? And if they're down there with me. C'est bien doux, hein? Moi, mon âme, je me tiens pas, puis je... C'est photographié à des stars, ça. Oui. De la petite maison. La petite maison. Et la petite maison de la prairie. Voilà. Dans le bois. Un bal, ça? Non. Oui. Non, c'est un petit garçon. C'est pas une petite maison. Je peux voir ce que c'est. C'est Luc, là. Oui, c'est Luc. C'est ici. C'est la ville. C'est notre foyer. Non, je ne sais pas, on est là. T'as vu, je ne fais pas comme ça, je ne sais pas le mur de la cave. En fait, le décal avait des grands pierres noires dans le mur, tout en briques. Ah, alors ça, c'est chez ici de l'Assomption. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est chez ici de l'Assomption. Ah, oh, ça c'est Jérôme, ça. Il est tout petit, hein? Ah! Oh. Il a fait. Il a toujours fait. Non. Oh, mais il est plus tout petit. Non. Il est en foule d'une assiette, lui. Ah non, ça c'est...
Ça va bien la santé du monde, en tout cas. Encore mal fier de nos petits-enfants, tu vois. Mais bon, on peut plus dire nos petits-enfants maintenant parce qu'ils nous dépassent. C'est fermé, il reste toujours. C'est la troisième génération. Il reste toujours nos petits-enfants quand même, hein? Ouais, c'est la troisième génération, toujours. Quand leurs enfants vivront, on trouve que ce sera la quatrième. Ouais. C'est bon, hein? Ça devrait se payer à tête, hein? Ouais. Faudrait que je leur montre ça quand ils vont venir. Ça, c'est ma chance, je ne fais pas ça. Il s'étouffe avec ça. Ça suicide. Pauvre c'est. C'est bon, hein? Il y a d'un cœur, c'est quand même. Oui, certain. Quoi? Ça doit être des fruits de mer. Regarde la pony. Regarde la pony. Il frappe des mains. Ici, il y a du chien. Ah oui. C'est toi qui l'avais construit? Oui. Ah oui. Eh bien, je suis à l'eau.
Oh oui, avant, c'est juste un caveau rudimentaire, hein? Une cabane en bois, quatre par pieds. Oui, mais ce qu'il y avait, là... Il fallait descendre, et puis... C'était déjà installé, là, sous ça, le genre de... Non. De cave, là, qu'il y avait. Ah oui, la cave, oui, c'était fait, mais c'est mal fait, c'était... Il n'y avait pas de cave, c'est ça, t'as plus laissé au moins d'eau, là. C'est juste une cage qui avait par-dessus le trou. Il venait un peu d'électrique animée l'hiver, puis ça bondait. C'est juste au-dessus. C'est Jean, si Wedley, c'est la chasse à la lumière avec Jean-Marie. Jean-Marie aussi. C'est pas lequel des deux qui avait tué, par exemple. Ça a l'air d'un gros, hein? Ça a l'air d'un gros boulot. Ah, ben ça, c'est moi, ça. Hein? Bon, on monte le rignal pour pas qu'il fasse une appareil. Pas qu'il se fasse manger par les ours non plus, hein? Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Il va se faire éventer, la viande va être meilleure. Jean-Marie s'en va en canot, il était bon en canot, lui. Le ciel était pas mal nuageux. Père Noël. Père Noël chez Robert. Il est fou le Père Noël. Ben oui. Ouais, mais là... Moi, la caméra mène, là, elle est pas chère. Ah, c'est mieux. Oh, ben, gardons ça, Lucille, qui va s'asseoir chez le Père Noël. Les enfants vont être jaloux. C'est Maxime, ça? Jérôme! Jérôme! Franchement, Père Noël, il y a une barbe qui fait dur. Allô, Stéphane! Je m'en fiche du Père Noël, c'est pas ça qui m'intéresse. Bon, téléphone, ça c'est bien plus intéressant. Ça, c'est moi, ça. Ah, mon Dieu. Ça, c'est chez nous. Non, hein? Oui. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est Roger, Yvon, Lucille, qui passe des... Yvon.
Par des amis du Biel. Lucille, Justine, Bruno. Camille. Sont vous, vous soyez américaine? Roger. Paul, Paul Desjardins. C'est clair, ça en arrière? Oui. Tu sais, tu es gras dans ce temps-là? Oui. Allô, Stéphane. Il est beau dans les rouges, non? C'est chez Stéphane à Naranda. Marielle travaille. Luc, Lucille. Robert, fête de Noël. Puis moi, je fais des babas. Hey, c'est pas un bon, ce que vous dites. Oui, je comprends. Hein. Faut pas la laisser vide, cette vieille-là, parce qu'il y a une poire dedans. Faut toujours que ta poire soit dans le col, parce que vraiment. Hein? Quel canot je vais avoir? Où là, Stéphane, qui est capable? Oh, ben, c'est la carte. Oh, un jeu de construction. Oh, ben, un maillet. Là, tu vas apprendre à cogner du marteau, mon gars. Oh, good. C'est Jérôme, ça? Ah oui, c'est petit Jérôme, ça. Ah, c'est pas ta fargine. Je le sais, puis je fais attention dans le vin. Vite, j'ai froid. Ah, ça c'est le chemin de tourner. Sur le chemin du lac Boulogne, on s'en va à notre chalet.
t'es situé où, ça? C'est en Abitibi? C'est le petit... 22 000 de Rouyn-Noranda. En allant du côté de Cadillac. C'est beau, c'est un beau lac. On avait le loup 85, on avait écrit 85 en gros, c'est un gros chiffre là, sur le bord du chemin. Ça me repose. Il a fatigué son chalet comme ça, ça me repose. La petite chapelle, tu as le gris. Fille verte. Yvan Desjardins. Alors ça, ça rentre aller chez nous. Ça va mal photographier un marchand, hein? Ouais. Ça prend. Ouf, on est rendu. C'est Francine de la Rivière, ça. Avec tout ça. Ça a pu. Si c'est posé à Longueuil, ça. La maison chez mon mère à Longueuil. Ma foi, ça reste un avion. On dirait, hein? Non, on n'a pas pensé que... Non. Non. C'est Jacqueline qui arrive en avion. C'est pas fort. On fait ça, là. Je pense qu'on va essayer d'en passer. Ouais, on peut t'envoyer quelque chose. C'est bien, non? La fille de Carmen, ça.
travail charmé. Carmen, c'est la sœur de Germain. Alors, c'était sa nièce. Ça se trouve avec les parents de Robin? Justement. Sans doute. Ça, c'est un destin pendant la construction de la maison. Oh, ouais. Ça travaille fort. Il y a des effets spéciaux à part de ça. Hey, je t'ai dit que les petits garçons, ça travaille fort. Hey. Là. Grand-papa, il déménage pas les enfants. C'est super posé. Eh oui, comment ça se fait? Stéphane, c'est le tournevis. Non, c'est le jaune. Hein, moi, je suis le petit bonhomme avec la tuque bleue, là, mais dans l'autre image. Hein? Ah oui? Ouais. Ah ben oui, regardons ça. Oh ben c'est drôle. Je suis comme dans l'autre image. c'est drôle. Ah ben c'est drôle. Le film a été exposé là, deux fois. Ça fait... C'est un drôle d'effet. Fantôme de Robert. C'est là, c'est pas comme un fantôme. Non, mais ça fait un drôle d'effet. En effet. Wow. Ça travaille fort. Celle-là, j'ai presque fini. Ah, j'entends en train de couler le solage. Ils n'ont pas peur de rester en dessous de ça. C'est organisé, non? Construit en 78. En 78. Une bonne mémoire. T'en souviens-tu du début? Ouais, un petit peu. Je me souviens qu'on couchait dans une tente ou là. Puis que j'avais un genre de lit au deuxième étage. Je me souviens pas comme tel de la construction. C'est Stéphane! C'est toujours pendant la construction de la maison. Il y avait une grosse butte de terre en arrière de la maison. Je sais que les enfants aimaient ça, les glisser là. Ouais, puis là, on en venait les culottes pleines de boulettes. Bien beau. Les parents aimaient bien ça, les voir revenir les culottes pleines de terre.
et Jérôme, Maxime et Stéphane. Les trois mousquetaires. Ça glisse bien de la porte. Ça fait pas. En train de faire des trous, ça vous glissait moins bien tout à l'heure. On va pas faire un break avec les 10 enfants. Oui, on prend souvent des breaks. Oui, là. La G. La G. Ça, c'est qui? Ça ressemble à... C'est pas Mathieu? Ah, Mathieu, ça va, ça se peut. Très grosse construction. On avait travaillé vraiment fort dans ce temps-là. La maison finie? Wow! Elle est à l'envers, la maison. La devanture, il n'y a pas du bon bord. Il appelait ça la maison de pied au chemin. Enfin! Ça n'en a pas vraiment pas, il n'y a pas d'escalier. En dessous de la galerie, c'était le sauna qu'on avait. Ouais. C'est fun. Et la maison de Fernand. Bien sûr, c'est quelque chose à voir, hein? Là, c'était M. Bélanger qui surveillait ce tracteur. Construction. Alors, je dirais que le petit casque rayé en bas de l'écran, c'est moi. Ça, c'est le plancher de l'atelier. Je sais pas si on va voir avec ma petite voiture de pompier. Je me promenais sur le plancher de béton avec mon petit camion de pompier rouge là. C'est la pédale que j'étais assis dedans. On peut voir ça. J'ai une photo de ça. Ah, regardons ça.
quand on met le chapeau blanc. Toujours un mystère. Ça, c'est le garçon de Fernand Lavallée. Ben voyons donc. Ben oui. Il y avait un garçon. Oui. Ah ouais. La petite maison. Qui faisait-tu des bonnes crêpes? Je sais pas. Ouais, c'est son garçon sur Fernand. Ginette était là. Saint-Granit. Les foins. En train de faire des foins. Ginette. C'est fort, Ginette, hein? Ça, c'est... Tu la connais, celle-là, toi? Ça doit être Joaquin? Non. Ça, c'est moi, ça. Bon, mais l'autre aussi, qui le porte, hein? Bon, la Ginette, je la connais. Ben oui. Mais l'autre? L'autre, madame, c'est madame de l'Agresta, Fernand, regarde ça, Fernand. On va s'en laver, ça. On allait porter le foin chez le voisin. Nous autres, on n'avait pas besoin du foin sur la terre, puis ils venaient de couper le foin chez nous. Ça faisait la face, c'est plus propre. Hein? Je suis capable de conduire le tracteur, hein? Eh, mon Dieu! Tout un homme, cette Ginette. Elle a la force dans le poignet, hein? Dans les bras. Comment ça fait, ça, une ville de foin comme ça? Ginette qui compte les tracteurs. Il était travaillé son garçon, Fernand. Je vais te dire, ça fait tout un choc de savoir que Fernand avait des enfants. Non, il y avait deux beaux enfants pour ça. Il y avait un garçon et une fille. Eh bien. C'est
surprenant qu'ils aient fait beau, par exemple. Ah non, ça. Tu l'as pas connu quand tu étais jeune, vraiment. C'est pas la question. C'est juste que. On les a jamais vus de notre vie. Ben, je pense qu'ils sont partis pas tellement longtemps après qu'on ait été déménagés de Star. Qu'est-ce que c'est le voyage au coin? Je vois pas bien, toi. Ben oui. C'est Robert Lucien, ça? Ah ben là, oui. Qu'est-ce qu'ils font là? On s'est pendant la plantation. Marielle? Ouais, puis moi aussi, c'est bon. Marielle, puis Stéphane, c'est ça, je veux dire. C'est une plantation de quoi, là? C'est une plantation d'épinettes. De sapin. On avait commencé par du sapin, puis ça n'a pas pris tellement les sapins. Vous aviez les machines? Tu fournissais la planteuse. Ah ouais. T'en auras pas de migraine, tabarnak. L'as-tu filmé, Fernand, en train de cuisiner ces fameuses saucisses? Non. J'ai manqué ça. Ni même ses crêpes? Ni même ses crêpes. Je vais pas faire le cœur à personne. Ouais. Pour faire un bon film d'horreur? Un film d'horreur, peut-être. Dans le sens de mort. De prendre son carreau, ça, quoi? Ça a l'air tout ça. Oh boy, ouais. Ça! Un bain au plein air, ouais. À l'Assomption. Maxime ici qui s'initie au nudisme. Au naturisme, de bien dire. Ça, c'est la première élection qu'on a eue à Destor. Quand on. C'est le premier maire qui a été élu à Destor. Armand Fortier, ouais! Élu par acclamation. Il doit être encore maire aujourd'hui, je te gâche. Il connaît-tu? Je
ça, bravo. Ça, c'était le premier conseil de l'essor. Je suis loyal. Tu la vois. Lucien qui fait prêter serment au maire, d'abord. C'est pas drôle, on avait un maire à Destor. C'est quelque chose, ça, tu sais, hein? Ça, c'est... Ça a été mon chauffeur d'autobus quand j'allais à maternelle. Ah oui? Ouais. C'est vrai? Monsieur Doyon, hein? Oui, monsieur Doyon. En vrai, il a tué un orignal avec ce monsieur-là. Sur sa terre, hein? Oui. Ouais. En 1985, je pense. Je sais plus, c'est le maire des sérieux, là, hein? Ça a passé tout au vide, j'ai pas été à voir qu'est-ce que c'était. Ça me dit quelque chose. Lucien était président de l'élection. Ça, c'était l'Assemblée, la grande Assemblée. De 50 quelques personnes au sous-sol de l'église. Au sous-sol de l'église. Ça, c'est nous autres, ça. Oh, monsieur Vaudéry en arrière. Mais j'étais là, ça veut dire. Je me rappelle pas de ça pendant tout, mais là. Ça ne rappelle pas la première élection? Non. J'étais secrétaire d'élection, moi. Tout le monde a fait de belles promesses. Est-ce qu'elles ont été tenues, par exemple, ça, c'est le travail? Ouais, ben, c'est le même partout. Hein. Oui. Comme dans toutes les élections d'ailleurs, hein. Que ce soit municipal, provincial, fédéral, c'est tout la même chose. C'est toutes les mêmes, c'est toute la même politique, c'est le même change de chauffeur. Il y a le même buggy pour mal fini. Ça que t'avais élevé des dauphins. Oh. Surexposition. Pas mon voirier. Ça m'a tout l'air d'être encore le parc où il y a les dauphins. Une espèce d'oiseau.
C'est une option pour le film. Ça, c'est notre 25e anniversaire de mariage. En 1967. Jean-Marie. Pierre Gendron. Luc. Luc Perrault, Marie-Lucille, son ex, Lucille. Avec son ami chic, hein? Robert. Il m'avait fait une petite chose, c'est Thérèse. Claudette. Olivier, Adénia, Pauline, Jean-Pierre. Ah, il a dû raconter quelque chose de drôle, hein? Oh! Des lunettes de dingue-dong? Ben, de dingue. Georges Chandron. François Beauchemin. François. Ça, c'est quoi? Luce. Marie, c'est avec son mari, Geoff, Georges Gendron. C'est toujours un autre 25e anniversaire de mariage. Camille, Luce. Il est étonnant, hein? Okay. Ah, il est aux anges. Si tu veux m'embrasser, laisse faire. Ben, moi, j'en avais deux. Hein? Mon mari, Lucien, l'autre c'est Georges Gendron. J'avais eu un beau bouquet de fleurs, hein? Des belles roses. Il m'avait donné une bourse aussi, je lui ai acheté notre deuxième set de chambre. Celui qu'on a actuellement, hein? Je me souviens de notre 25e anniversaire de mariage. Le champagne. S'il vous plaît. C'était chez Jacques Gendron, ça. Olivier, frère de Lucien, Adélina, sa femme. Lucien, Pauline, sa sœur. Anne-Marie, qui est à côté de moi. Ça, c'est l'exposition régionale qu'on avait eue à Rouen. Puis on avait été maître de cérémonie, nous autres, ben, c'est-à-dire maître de cérémonie. C'est nous autres qui accompagnaient la reine dans tous ses déplacements. Ah, oh, ouais. Ben, on était d'un grand honneur. Hey. Lucien, moi. Ouais. Ça, c'est. On avait fait tout le tour. C'est justement elle qui était venue, je dirais, avec Lucille. On avait été reconduire à l'aéroport. Gentil, une fille de l'Ontario.
On avait été bien reçus partout où on avait été, par exemple, avec elle. Là. On avait été visiter la laiterie de la l'air. Et puis on avait été visiter, à part de ça, j'avais place qu'on avait été visiter. Donc. Mais peut-être on avait visité plusieurs places. Bon, à moi, il faut dire que... T'as fait un tour, ça a pas pris de temps. Pas grand chose à visiter. Bon, il n'y a plus grand chose sur l'écran non plus. Comme tu peux voir. Ouais.